Bonsoir à tous et bienvenue à la 16e édition de la Supermarket Cali Cup. C'est aujourd'hui la grande finale qui s'annonce sensationnelle. Mais rejoignons tout de suite nos deux candidats en direct du supermarché. On voit ici à l'image le candidat numéro 1, Scott Murray, qui nous vient tout droit du Tennessee dans la région Picardie, Midi-Pyrénées, Bouches-du-Rhône. Il est opposé au champion titre Bobby Sullivan de la compétition avec 4 victoires. Le départ est imminent. Nos deux candidats sont en état de stress intense. Et c'est parti pour une course de folie. Scott Murray qui prend tout de suite le dessus sur son adversaire. Alors qu'on voit ici de superbes images grâce à notre caméra embarquée. On arrive à la première difficulté, le présentoir je mets en plein milieu d'un rayon. Sullivan, ah là là là, c'est la chute. Mais Sullivan se reprend. Sullivan qui est mal parti et qui en profite pour faire son premier arrêt au stand. Murray qui se trouve toujours en tête au rayon fruits et légumes, mais Bobby Sullivan n'est pas loin derrière. Scott Murray qui arrive au rayon lingerie, un rayon qui est limité en termes de vitesse puisque nos deux candidats doivent profiter des nouvelles collections printemps, été, automne, hiver 2006-2007. Et Sullivan qui va en profiter pour repasser devant Murray. Il arrive maintenant au rayon surgelé, un rayon difficile pour lui, hein. Il est en petite tenue printemps-été. C'est au tour de Murray de s'arrêter au stand. Il ne reste maintenant plus qu'un seul tour et c'est Murray qui est en tête, il est en train de créer l'exploit. Il va peut-être battre Sullivan, mais Sullivan est toujours derrière lui. Et Murray l'a bien vu, mais il n'a pas vu le PQ. Oh là là, ah, c'est l'accident. C'est l'accident en plein dans le PQ. La victoire semble maintenant acquise pour Bobby Sullivan. Et oui, Sullivan passe la ligne d'arrivée tout tranquillement. Et c'est la victoire, une nouvelle victoire de Bobby Sullivan. La 16e édition de la Supermarket Cali Cup. Un grand merci à tous nos sponsors et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle compétition.